Oh, tu filmes cette fois là? Il y en a marre. Tu bug là. On peut plus faire du réel à cause de toi. J'ai même plus dit bonjour du coup. Du coup, le frérot, il est en train de démarrer son Audi. C'est du réel du coup? Ouais, regarde, regarde. Ouais, sérieux. C'est toute l'admission et tout, parce que l'autre jour, du coup, j'ai arraché l'intercooler là-bas. Et du coup, ben... J'ai refait toute l'admission, mais j'ai toujours pas de turbo, parce qu'il y avait une durite, elle était comme ça. T'as vu? Regarde. Du coup, je vais essayer de pincer ma durite, là, voir si ça... J'essaye des trucs. Bah, il y avait aussi sur le l'intercooler, il manquait, il y avait une petite sonde, alors du coup... Du coup, il manque... manque un petit peu de la sonde aussi. Bah, du coup... J'étais parti à dire que... Ah bon. Oula. Oula là. C'est... Ça va pas vouloir tirer, non? Oui, ça va pas tirer. Elle en met point. Moi, je voulais tirer les manches, mais je vais peut-être pas avoir le temps. J'ai fait gonfler mon compresseur. Donne-moi ça, la bête. C'est un 100 litres. C'est la durite, tu bêtes, ça marche. Les produits, ça trouve, elle craque grâce à ça. Ah ouais, grâce à la durée toute petite. C'est peut-être l'audi. Ouais, je sais pas, je comprends pas. Du coup, le compresseur, regarde-moi cette usine à gaz. Une grosse cuve derrière, une autre cuve là, une autre là, une autre là. Du coup, ça me fait un 350 litres. Je choisis un peu si j'en veux là. Là, pour le moment, vu que ça fuit un peu tout le temps, je l'ai laissé. Et du coup, je peux aller gonfler ma 205. Il faut que je la démarre. Le frérot, ben, je vais le laisser galérer avec son audi parce que... La merde. Faut le dire comme ça. Une petite batterie. Y'a quoi qui tient? Qui tient le choc? Avec ça, ça devrait démarrer peut-être. Elle a l'air toute neuve. Tac. La 205 que je prenais pas parce que ça gelait, mais là, je vais pas ressortir l'Iveco aujourd'hui. J'avais bien envie de tirer un frein ou deux. Ça, c'est le top, les freins. Peut-être ça à fond. C'est dommage. On était en train de mettre les vidéos ce matin. Du coup. Ça nous a tenu à l'intérieur. La 205. Alors, vous allez me dire, ouais, elle a le pot à l'envers au milieu. Bah ouais, parce qu'elle faisait trop de bruit sans pot. Et j'ai la flemme de faire la ligne en dessous. Du coup, je l'ai faite dessus. Comme ça, c'est le top, elle fait pas de bruit et tout. On se fait engueuler des fois pour le bruit. Tac. Oh merde, attends, je te pose une seconde. Ça va couper ça peut-être. Voilà. Voilà, l'écosse. À l'envers, bien sûr. Comme ça, au moins, on est sûr qu'elle tienne. Si tu les mets à l'envers, au moins, il n'y a pas de souci. Tu vois l'admission à l'air. Le câble de starter, c'est pareil. Il est bien à sa place. Le capot aussi. Et le câble de starter. Il arrive là. Et dedans, c'est une vieille 205. Avec la super. Oh merde, je parle de quoi? Avec la super boîte en décalé. Oh, j'ai pris la seule batterie que j'ai trouvée. Bon. Bah, ça sera pas pour aujourd'hui. J'aurais fait gonfler le compresseur. Point. Ça fait chier. Ça fait chier. Merde. Retour à la case de départ. C'est chiant ces batteries. En plus, je me suis fait chier à la mettre bien. Ah, ça va, elle sort pas trop mal. Bon, est-ce qu'il va arrêter d'être un fermain avec sa voiture? Oula, et eh ben c'est puissant, dis donc. Ah, il a réussi. Ça a l'air d'être puissant quand il tire le frein à main. Là, la voiture elle s'arrête. Ah, ça va quand même. Il va bien me le manger. Ouais, c'est pas bien violent. Hein. Le turbo il pousse pas des masses. Et puis ça glisse. La Fiesta. C'est solide hein. À part les carters. Oh oh.
Et il y a celle-là, j'en fais pas trop de tours quand c'est l'hiver, parce que c'est chiant. Vu que c'est des volets, la neige, elle se met là. Et du coup, faut défaire tous les volets. Faut passer un coup de balayette, et j'ai perdu la balayette. Impact, pousse-toi. Assis. Assis, viens là, mais putain, t'es con! T'es gentil, mais t'es un tout petit breton, Pactou. C'est chiant, on va pas y arriver. J'ai pas mis le collier aujourd'hui parce que on avait pas attaqué de faire les coins à chaque fois. Viens là, au pied. Impact, mon pied là, il est pas à 200 km, hein, il est là, là. Allez, couche-toi, vas-y, couchez. Arrête-toi. Mais quel gros babé, mais quel gros babé. Tu manges de la neige? Mange de la neige. Oh là là. Il arrive à en faire quelque chose, hein. Oh, je crois que c'est touché là. Je vais pas la casser, je vais pas la casser. Ah oui, ça a touché. Regarde là, ça a touché. Je suis sûr qu'il a touché. Ça a touché à peine, non? Non, ça a touché? Non. Si, là-bas, je crois bien. Non? Pas j'ai brillé. Je sais pas si turbo là, je vais essayer de remettre le fond. Ah oui, la sonde. C'est chiant. Eh, tire pas, je peux même pas faire le sport avec ce fond. Eh oui, si ça avance pas, c'est gosse. Une merde, on m'entraîne de partout. Moi, je voulais voir dans ce bordel. Ah ah, parce qu'on a du bordel. Et les radiateurs, on a des radiateurs aussi. Celui de la Golf que j'avais. Qui était cassé. Il y en a, ils sont vraiment cassés. Bon, ben non. Oui, on m'avait demandé aussi, tant que j'y suis. Lui, il fait fou. Oh, putain, ouais. Il gaze. On m'avait demandé aussi, la Golf, là. Eh ben, elle a plein de problèmes. C'est un peu... Ça, vous l'aviez pas vu encore. On vous expliquera la prochaine fois. Ça aussi, c'est pareil. Ça, c'est une construction qui a quelques années. On n'a pas démarré souvent. Frérot. Ah ouais. Tu veux faire un petit tour? J'aimerais bien prendre un petit passage en vidéo là-bas, ça doit être beau. Dac, vas-y, ouais. Tu fais un truc ou... J'étais en train de leur dire pour la Golf, mais c'est pas grave. Tu vas faire un tour. Ah ouais, ça s'ouvre pas. Là. Putain, mais elle est propre dedans et tout. Tu peux quand même. Je vais passer un coup d'aspi. Ouais, il va te faire aussi. Il m'a laissé un CD blolo. Ah, ouh non. Ça fait chier, tiens. Ah bah ouais, ça avance pas. Ouais, Pascu a pas voulu démarrer. Je vais presque prendre un passage là. Ah, tu veux me mettre dedans à l'intérieur, non? Ah, ras le caillou, tu vois, qui était là. Ouais. D'accord, attends. Je descends, j'ai pas envie de me manger l'arbre. Tu vas voir l'audi comment elle va finir. Regarde où on est passé là. On est passé à rat. Et on était presque à l'arbre là-bas. Là c'est le moment où je me demande, est-ce qu'elle va arriver jusqu'ici? On va voir. La 106 avec la neige. Bon du coup, je ne vous présenterai pas la Golf, je vous présenterai la 106. C'est la solide celle-là. C'est pas me faire couper les jambes. Ah, c'est que je vous ai craqué. Bon ça va, il m'a pas pris. Actuellement, j'arrive
j'arrive même limite pas à prendre de vitesse arrière. Ah ouais bah ouais, ça met pas assez de nerfs. Je vais faire un passage à 90 degrés. Vas-y, passage à 90 degrés, elle va finir comme ça pour la sécurité routière. Regardez, même le capot qui s'ouvre encore. Là, elle a morflé. Hein. Elle a morflé, moi ça me fait trop kiffer. Je kiffe la 106. Elle pack tout le camp, c'est comme ça, là des fois, et ben ça l'énerve pas. Ah, ça y est, il va venir. Oh, bah non. Ça y est pas allé. Moi j'ai un peu peur des fois qu'il... quand même. Ouais, je tiens pas le volant. C'est une sacrée patinoire hein, encore. Ça se traîne mais c'est drôle. Ouais, là, j'ai démarré à la 405. Tu veux pas me rejeter vers ma Golf? Vas-y, monte. Putain, c'est encore fermé cette merde. Je sais pas, la mienne aussi. Bizarre, les auditoires. Ouais. Les auditoires. Ouais, c'est vrai que je sais pas, elle déconne un peu. Ouais. En même temps, pas trop neuf. Ouais, ouais, je vais montrer la Golf vu qu'il l'avait demandé. Bah ouais. Vu que j'y étais. On est rentré dans les sculptures. Et oui, la Golf. Je sais ce que c'est qui tape de mort là comme ça. C'est quoi? C'est le train arrière. Peut-être regarder s'il est serré. Le train arrière? Ouais, je pense. Carrément, tu vois? Ben en fait, t'as pas vu, mais quand tu tires des câbles, il fait un peu bizarre. Je sais pas si on y verra sur la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est la roue là. Ou je sais pas. Un genre d'anomalie. Il y a un genre de truc qui passe pas au contrôle, quoi. Oh, Adril. Adril, je sais pas si vous avez vu ce pare-choc. Sur le pare-choc, Adril lui a fait une bite. Donc du coup j'étais sur cette vieille Golf, elle est encore pas trop mal, moi je kiffe, on l'a remisée, elle est parce que elle avait pas mal de problèmes, il y a des problèmes de frein, on peut voir un petit peu, que déjà il freinait que sur l'épaisseur d'un doigt, il y a problème de roulement en arrière, problème de roulement en avant, problème de fuite de boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème que je me rappelle plus sur celle-là. Je la vends pas, hein. Je la garde parce que je la kiffe trop. Un TDI 110. Et cette Golf, c'est une édition GT. Elle a les packs aussi. Et le petit incis. Bah, du coup, dedans, c'est encore pas tout neuf. Je viendrai la faire démarrer un jour, un moment. Derrière, j'avais chargé du bois un petit peu. Je peux pas rentrer dedans. Ça passe pas. Que je fasse un effort. Voilà. Du coup, GT TDI 110. C'est le top. Petite Golf 3 là, moi je kiffe. Ça, je kiffe. Il faudrait que je la répare, mais bon, c'est pareil avec le bordel qu'on a partout. Tous les trucs à faire. Entre elle, qu'il faudrait réparer, les merdes qu'il y a là. Et elle. Parce que elle, je lui ai changé le vérin de là. La grosse tige là, lui, je sais pas si je le montre bien. On voit même pas la cale neuve si on, bon, on la voit pas trop. Moi, je pourrais faire le tour, regarde. On va voir, c'est tout neuf. Et alors ça, c'est la merde. Il y a de la cale là, là. Et il a été ressoudé ici, du coup. C'est là, c'est parce que à un moment, j'étais arrivé, vu qu'elle a pas de frein, la pelleteuse, il faut poser le godet. Et du coup, j'ai mangé le vérin. Ça l'a mis en Y. La barre, elle est... Et où la barre déjà? J'en ai des petits bouts. Là, le pont aussi, pareil, je me l'étais fait. Je m'étais fait le roulement de boîte qui est là. Ça, c'était le moins marrant. Puis maintenant, bah, elle fuit un peu de partout. Alors, c'est la galère. Et il se rappelle même plus de moi. Tu devais la garer là, non? Tu devais pas la garer là? Tu l'as pas dit là-bas? Ah ouais. Marc, de toute façon, elle marche pas. D'ailleurs, une batterie, ouais, c'est la mienne qui a pas voulu démarrer la 205. Mais il y a à côté de la Twingo là, ouais. Ah putain, il faut bouger à mercredi. Pourquoi? Ah ouais, non, d'accord. On a... À côté de la Merco. Ah, à côté de la Merco, à tout coup. Entre, la entre les deux, quoi. Ah, mais ouais, mais c'est la Fiesta qui était là-bas. Mec, tu passes à contrarier mes plans, je me rappelle pas. On avait dit ça l'autre jour.
Tac, regarde, je vais te montrer un boudin. Il perd la tête, le frérot, ça y est. Il manque trop de vidéos, ça lui va plus. Ah, d'ailleurs, j'étais parti dans un autre truc. Je sais pas si on en sera autorisé à la publier sur internet. Parce que le gars, il nous a pas encore répondu. Regarde ça, bien garé. Oh, il l'a mangé. Il fallait. Du coup, il y a un gars qui nous a préparé une vidéo. Un trailer, un truc de ouf. Moi, ça m'a fait kiffer. Mon frère aussi. Et voilà, on va essayer de la publier, je pense. S'il est d'accord. Et merci à toi si tu vois nos vidéos. Regarde, bout de vérin. C'est la tige de la pelleteuse. Ça, c'est pas moi qui l'avait fait faire. J'étais chez un truc de vérin vers Clermont. Et du coup, il m'avait refait la tige. Ça m'a coûté un bras. Et voilà. Sur ce, on va aller manger peut-être, non? Ouais, je vais faire là-dedans. C'est bientôt l'heure. C'est quoi? Fred Stick? Stick Fred? Ouais, bah, vu qu'on est tout seul et qu'on est des super cuisiniers, on va faire comme d'habitude. Ouais, c'est bien bon. On a soit un burger frite. Et pour changer, on fait steak frite. Mayo maison. Et mayo maison. Et c'est moi qui l'a fait. C'est toi qui... On a une mayo? On va faire des tutos. Ah ouais, je suis sûr qu'il fera. Je me demande après à quoi ça ressemblait notre page, parce que ça va passer de la mécanique au la maçonnerie ou à la voiture, à tuto bouffe. Enfin, tuto bouffe. Coupage de cheveux, tatouage. Coupage de cheveux, tatouage. Pousse-toi. Création, terrassement. Éducation de chien. Bunker. Je vous ferai faire un tour aussi à un moment. À éducation de chien, ça, bah, pour lui, c'est raté. Hein. Le gros bacteau. Bon, allez. Tchuss. Tu veux pas mettre un coup de tête à la caméra? Ha 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 ha!